Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la Odlo Crystal Run. On est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, mais ça, on s'en fout. On est venu pour faire cette course fun sur le thème de l'hiver. Je suis avec Yves de C'est Bien d'être bien, il y a Julien et il y a aussi les Lapins Runners qui sont un petit peu devant. Là, on est dans le sas de départ, donc on va bientôt partir. Coucou! Donc c'est une course bien fun, je pense que les gens ils sont venus ici pour s'amuser. J'ai pas encore vu Valentin le pingouin, mais je pense qu'on va le croiser pendant la course. Là l'échauffement est terminé, donc on s'apprête à partir. Clap, 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 clap. Allez, attention au passage. Ouais, le pingouin. Ouais, le YouTube. Ouais. Du neige. Ouais, il y a de la neige. Ensemble, ouais, c'est compliqué, ça va être le bordel. Bon, pour l'instant, pour un 10 km fun, c'est calme. Là, pour l'instant, c'est pas. L'ambiance est normale, on va dire. Oh putain, est-ce qu'on pourra faire une pause en haut, s'il vous plaît? T'es sérieux là? Non, je suis désolé. On aura le droit de faire un tour de grande roue après. On arrive au 3ème kilomètre, les amis, et comme je vous l'avais dit, on va voir. Valentin, le pingouin. Le pingouin. Ouais, ouais, ouais. Hey, comment ça va? Bien. Ouais, les animaux, on s'éclate. T'es tranquille ou quoi? Ah, il y a un bonhomme de neige aussi. Ouais. Coupe ça. Coupe ça. Tiens, moi, ce que je préfère, c'est ta carotte. Ça me plaît beaucoup, ta carotte. C'est par là, on y va. Allez, 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 allez. Et plus vite, s'il vous plaît, je vais pas rester là jusqu'à midi. Hey, je suis les lapins, ça va ou quoi? Ouais, ça va, toi, cousin, gros. Ah ouais, tranquille, bien. Non. Si, si. Ah, je vous double. C'est bien, les filles. Bravo. On n'a pas de pluie, mais il y a de la neige. C'est la musique de la reine de neige. Ouais. Faut pas se gameler. T'imagines, tu tombes au monde. Regarde-moi, t'es bien. C'est drôle. La neige, c'est rigolo. La neige, c'est marrant. On aurait dû faire un bonhomme de neige. Ah bah, ah ouais. Là, le peloton est étiré. Pas grand monde devant. Pas grand monde derrière. Hé hey. Ah, coucou. Elle fait coucou, bâtard. Si, quand même, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est kiffant, les coucous. J'aime bien faire coucou. Ah, le bus, le bus. Elle fait coucou. Ouais, le bus, il fait coucou. Allez, encore un tunnel. Il y en a beaucoup ici. Hein. Mais ça va, c'est cool parce qu'il y a souvent de la musique, des petites animations avant, pendant. Parce que si tout le monde monte sur son truc au mec, ça va être la merde, ça va être la merde. Allez, on s'approche de la Tour Eiffel. Ça, c'est mon moment préféré. Et écoutez, pour une course sur le thème de l'hiver, pas de chance, il y a du soleil. Et il fait même plutôt chaud, en fait. On arrive au 5ème kilomètre. On a de la musique. Putain, c'est beau ça, la Tour Eiffel. Et dire que dans un peu plus d'un mois, normalement, fin de l'éco-trail, je serai en haut au premier étage. Bah ça, c'est cool. Oh putain, le con. Ah, l'idiot bête. Putain, ce pauvre type. Ce pauvre type vient de me mouiller. Et j'ai pas l'affaire de rechange. Bon, place au ravito. Oh là là. Des mains tendues partout, des mains tendues. Merci. Bon, ravito simple. Essentiel, l'eau, un petit peu de sucre, et voilà. Merci. Bravo. Il neige. Ouais. Il glisse là. Allez, bon. Un bonhomme de neige. Ah, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Mon dossard. Non, t'as perdu ton dossard. Ah, il a perdu son dossard dans la neige. Ah, le dossard. Hey, tu vois qu'elle a. Bon bah c'est drôle la neige. Bah moi j'en ai un balai sans 5 goûts.
Oui, faut pas le manger. T'es bête ou quoi? T'es bête ou quoi? Faut pas le manger. J'espère par contre que le micro est pas plein de flotte maintenant. Je veux encore de la neige. Vive la neige. Oh la vache. Olé. Le Crystal Runner n'hiberne pas, lui. Par rapport à qui? J'ai pas compris la phrase. Quelqu'un peut m'expliquer? Tu peux m'expliquer? C'est pas Crystal Runner. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, on a compris la phrase, du coup. J'ai pas compris. Moi, je t'explique les choses comme ça. En face, c'est pas des cristals. Ouais, toi, t'hibernes. Ouais, on t'a vu, on te connaît. Toi aussi, t'hibernes, on te connaît. Ouais, c'est ça. Allez, le 7ème kilomètre. Il en restera plus que 3, les amis. Plus de 3, ça passe vite quand même, ça passe vite. C'est le même trajet que les 20 km de Paris à peu près. Ouais. Oh mince, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il perd le contrôle. Il a perdu le contrôle. Oh non. C'est pas prévu par l'organisation, je vous rassure. C'est une animation inédite, prise sur le vif. Prise sur le vif, inédite. On arrive bientôt à la fin. On est quasiment au 9ème kilomètre. Et là, on est vraiment juste à côté de la route. C'est pas spécialement fermé. Il y a des gens qui traversent, il y a des vélos. Et voilà, on est à côté des embouteillages. Ça c'est drôle, mal aux gambettes, pense à la tartiflette. Ça c'est bien, ça c'est... Les gens qui sont venus pour manger. J'aime ce dicton. Tartiflette, il est où le halo? Il est là? Il est où le cochon? Allez, prochain virage, tartiflette. Wouhou! Ouais, là, partout, il manque le pingouin, il y est, mais c'est pas grave, on a fait un free-out quand même. Ouais, ils sont là! Calin! Jusqu'au bout avec nous! Ouais! Oh ta carotte! Oh oui! Oh, vas-y. Oh ta belle carotte! Allez, merci Jackie Michel! Oh il est bon! Il est bon le bonhomme de neige! Le bonhomme de neige qui te dit de dire merci Jackie et Michel! C'est énorme ça! Je ne sais pas ce que c'est que Jackie et Michel, bien évidemment, comme tous les hommes! C'est beau Paris! Ça fait des belles vues là! Putain, le peloton il est super étiré, c'est un truc de fou hein. Ah ouais, y a pas de... Du coup c'est vrai que pour l'ambiance, c'est plus difficile quoi, que ce soit étiré comme ça. Ah il nous double. Ah il sprint. Allez, il nous double. Il nous double. Ah il tue bâtard. Vite, vite, lâche pas. Lâche pas. La neige. Wouhou. Bravo, 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 bravo. Bravo. Bravo à toi mon gars. L'équipe de C'est bien d'être bien, ils sont vraiment fous. Oh la vache. Oh la vache. Mais tu l'es bon. Ah le beau gars. Mais tu l'es bon. Bon, on a eu droit à un petit pint de là-haut de l'eau, Crystal Run. Et on a également droit à une petite pochette qui fait du chaud pour les mains. Allez, on a droit au petit ravitaillement de faim. Allez, on a l'air d'avoir un peu plus de trucs. On a droit à une petite barre, il y a de l'eau, des bonbons. Bon, avant qu'on attaque le village, c'est ça notre médaille. Bon, franchement, je suis un peu déçu. Franchement, un pins à la place d'une médaille pour une course qui coûte 40 euros, moi personnellement ça me pique un peu les cheveux quoi. Ça dommage, vraiment dommage. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Franchement, elle passe bien. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Elle passe ou pas? Elle glisse bien. On a le droit à un concert dans le village. On peut faire de l'escalade. Attends, j'ai un souci, c'est bon. Et voilà. Donc voilà les amis, la course est terminée, je suis prêt à rentrer chez moi. Mais avant de se quitter, on va quand même faire un débriefing de cette course. Donc écoutez, j'ai passé un bon moment, on était un groupe bien sympa, du coup on a vraiment déliré ensemble, mais on a un peu créé notre propre ambiance. C'est-à-dire que si vous y allez à un ou deux, il y a des animations, mais ça risque de manquer un petit peu d'ambiance. Il y a peut-être un peu trop d'espace entre chaque vague de départ, et du coup à certains moments on s'est retrouvé un petit peu seul. Maintenant ça a été super sympa, la musique, les mascottes, elles ont vraiment été super drôles, la neige, on a vraiment bien déliré avec aussi. Donc c'était vraiment sympa. Pour l'année prochaine, ça serait bien s'il y avait un petit peu plus d'ambiance, de musique, de mascotte, pourquoi pas. Parce que là, à certains moments, ça manquait un petit peu d'ambiance. Par contre, le parcours est vraiment super sympa. On passe vraiment par des beaux monuments de Paris, on passe devant la Tour Eiffel. Ça, c'est toujours vraiment quelque chose de très très bien. Le village à la fin est vraiment sympa avec la tartiflette, la fondue, on peut faire de l'escalade, il y a un concert. Donc il y a moyen de rester pas mal de temps dessus. Et ça, c'est pareil, ça fait pas partie de la course, mais ça prolonge quand même le moment sur place. Et c'est super sympa. On va parler du gros point négatif pour moi, par contre, c'est qu'il n'y a pas eu de médaille. Il y a eu un pins, il ressemble à un faucon de neige, donc ça fait penser au ski, c'est vrai que c'est dans le thème, mais franchement, une médaille, c'est vraiment super important, je trouve. La course, elle coûte quand même 40 euros, donc à la fin, avoir une médaille, c'est quand même vraiment un plus. Donc j'espère que l'année prochaine, il y aura une médaille, et donc je reviendrai pour finir cette course et avoir la médaille de l'Odlo Crystal Run.
Je remercie également toute l'équipe de fou qui m'a accompagné, l'équipe de C'est bien d'être bien, les lapins runners et tous les autres autour. C'était vraiment un bon moment. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Merci. Merci beaucoup. C'est très très dur, j'en chie grave. Avec la nuit en plus qui arrive, ça va pas être simple du tout, je pense. Mais bon, au niveau timing, je suis...